Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Rome Total War Remaster. Et on reprend là où on s'est arrêté la semaine dernière. On va effectivement continuer notre guerre contre les Romains, notre domination du monde avec l'Empire Séleucide, qui n'est pas une des factions d'ailleurs les plus simples du jeu, mais les choses semblent pas trop mal se goupiller. Donc pour petit rappel effectivement des épisodes précédents, bon ben on a commencé effectivement la guerre avec ces quelques territoires là. On a très vite fait la guerre, on a très vite récupéré effectivement une partie de l'Empire Parthe avant de continuer sur l'Arménie. On a fait la guerre à l'Égypte qui nous a permis de récupérer l'intégralité de l'Égypte. On a fait la guerre un peu contre tout le monde, parce que tout le monde faisait un peu la guerre. Donc on a eu beaucoup de guerres en Asie mineure, ce qui nous a permis très vite de prendre beaucoup de territoire. Puis après, ben, on est arrivé au stade où on a commencé à s'avancer un peu par tous nos pions. En Grèce, en Afrique du Nord, et dans les derniers épisodes, en Sicile et en Italie en tant que tel. Donc maintenant que l'Italie, effectivement, on a quand même bien avancé. Le sud était déjà tombé, maintenant on est en train de prendre le nord. Donc Arretium va tomber, Ariminium est tombé, Patavium est tombé, je vais peut-être la reperdre, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai une autre armée qui arrive pour m'aider à prendre Segestre, donc une troisième armée, ou Massivilia. On est en train de préparer l'invasion de l'Espagne, avec Scalari qui va tomber, et sûrement d'autres villes qui vont tomber dans un avenir très proche. Ma flotte là-haut qui est toujours en position. En Germanie, où on a plutôt bien avancé depuis Adassi, effectivement, on a récupéré cette ville-là qui est dans une situation catastrophique. Heureusement, j'ai une armée de renfort qui arrive. On a récupéré déjà Vicus Scotti. On va récupérer Marmonie. Damné est tombé. On se dirige vers Porderloch. En sachant qu'après, il restera ces trois villes-là de l'Empire. Enfin, des Brutis. Donc une fois qu'on aura fait tomber ces trois villes-là, enfin ces quatre villes restantes, on aura dégommé les armées Bruti. Il restera les Scipi. Ici, il faut juste qu'on regarde. Voilà. Donc, tout de suite, on va commencer le conflit en récupérant directement une petite ville. Quoi ça, Jupiter? Ça va sur quoi ça, Jupiter? Ça va sur aucun de mes dieux, ça. Hop, au revoir. C'est peut-être l'équivalent d'Ecuade, peut-être. Donc ça, c'est pris. Ici, on va juste faire... Alors. Tac. On va juste stabiliser un petit peu le front. Ici, je suis encore loin de prendre la ville. Arretium, on va la prendre en automatique. Voilà, à un moment on va adresser quelques petits messages aux Romains, c'est chez moi. On va raser ce petit temple. Ah bah c'est Guestre, il n'y a rien du tout. Au niveau du nord, ici, je crois que siège avait été mis depuis quelques tours. Voilà. Ah tiens, un bug graphique. L'armée à bac. Donc c'est à dire que c'était buggé. Ok. Donc, on va faire ça comme ça. Donc on va faire peut-être ce petit combat là. Oui, il y a beaucoup de batailles qu'on n'avait pas fait le dernier coup. Voilà, on les a fait, c'est fait. On a envahi une partie non négligeable maintenant de l'Italie. Bon après faut être honnête, maintenant l'économie, une fois que j'aurai récupéré la gauze cisalpine, c'est à dire qu'on aura récupéré le nord de l'Italie, ça sera fini pour eux. Ça sera fini pour eux, économiquement ils seront au fond du gouffre et on sera tranquille pour la suite. Ici rassurez-moi, je fais d'autres troupes, oui je fais d'autres troupes, nickel. Donc tac tac tac, ici je dois avoir une deuxième armée qui va aller là, ensuite je peux récupérer la troisième armée ici pour débarquer quelque part ailleurs. Donc ça on est bon, ici je joue à montre, tac 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 tac, on va peut-être à rigueur faire cette bataille là. Hein.
Qu'est-ce qu'ils ont en face? Légionnaire. Ils ont une corps prétorienne. Cavalerie faible, ils ont qu'une baliste. Eh, une petite bataille de nuit. Allez, le bot, on va dire au revoir au bot. Soldat, excusez-moi, j'ai le temps de récupérer ma souris. Allez, hop. Vous jouez au bot sur ma chaîne, vous faites ban. J'ai déjà précisé une fois par le passé, pas de pub ou autre. Quand vous venez vendre des produits sur ma chaîne, c'est non. On discute d'autres chaînes, on discute de trucs ou autres, comme on a pu faire des streams passés, moi il n'y a aucun problème. Moi ça me dérange pas de discuter de ce que font d'autres streamers ou autres, que ça peut être intéressant. Par contre, quand on commence à envoyer des liens sans me demander d'avance, on commence à faire 2-3 petites choses comme ça, j'apprécie moyennement. Notamment quand on commence à faire de la vente sur les streams des autres, de son propre truc, c'est niette. C'est pour ça que j'y ai ban. Alors, bon, bah, j'ai une très bonne chance. Le fait qu'il y ait ce rocher là, ce reflet en gauche, va me permettre de décaler toute mon armée. Deux cavaleries légionnaires romaines. Faudrait que je regarde pour corriger mon petit mode. Ouais, j'ai un peu trop avancé, c'est pas grave, ça arrive. Alors, je vais un petit peu tanker, mais c'est pas grave. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. Juste pourquoi... Aucune logique par contre de ce que je viens de voir. Les archers fuient au milieu des troupes ennemies. Toi par contre, j'ai fait une erreur. Pour chasser les cavaliers. Là, petite erreur de ma part, j'ai avancé trop vite mes troupes. J'aurais dû être un tout petit peu plus loin, ça serait mieux passé. Donc, c'est pas grave. Loué soient les dieux, le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ses soldats. Je suis en train quand même de jouer deux cordes quand même. Normal. Mes cohortes réussites sont meilleures que leurs cohortes légionnaires, bien sûr, on est bon. Aucun problème là-dessus. Ouais.
Allez, le centre va avancer. Le flanc gauche va avancer aussi. Port des VI, port et gladiateur. Ça change beaucoup de choses, hein, les cavaliers, quand même. Donc, global, je suis aussi fatigué que, voire moins. J'ai arrivé à dire ce fait. Cette phrase. Mais en combat de. On est bon, cette cohorte là est morte. Et ben voilà, la bataille se passe, ce début de bataille est extrêmement bien. Enfin, ce début de bataille, cette fin de bataille. L'armée ennemie est en déroute, poursuivez-les, chassez-les du champ de bataille. Avoir les auxiliaires, gars, ça serait bien. J'ai perdu une unité d'archer pour une petite erreur. J'aurais pu perdre encore moins d'unités. Bon, après, ça arrive. Hein. Une semaine que j'ai pas touché au jeu, une semaine que j'avais envie de redire toucher. Alors, on va essayer 43 hommes et ennemis. Bon. Peut quand même propre. Quelle grande victoire! Je pense. Nouveau négociant. Ah! Tu viens d'Aretium, toi. Ok. Rester ici, toi. Alors, bon bah très très bonne nouvelle ici. Bon bah finalement mon archer qui est parti en retraite, pas trop de pertes, on n'est pas trop mal. Nickel. 3000. Ça en est bon. Toi tu pars là-haut récupérer la dernière ville rebelle. Puis voilà. Hasard que les batailles en de nuit sont arrivés avec Barbarian Invasion, donc avec les invasions barbares. Donc c'est très bien qu'il ait implanté pour tout, parce qu'au moins maintenant je trouve ça cool les batailles de nuit. De toute façon, on va pas avoir grand chose à faire. Hein. On a fait le plus dur. Ouais, si le Sénat veut faire la paix, moi je veux bien accepter. Hein. Bon, après, ils ont un peu trop de navires. Mais bon, je domine les flots de toute façon. Émeute. Alors, ça m'intéresse. Ici. Qu'est-ce qui m'endommage? Deux communautés assiégées. Oui, logique. Ok. Hop. Alors, vu que ça fait une semaine. Ah, c'est 438 000 que j'ai. Ok. Pas avoir que j'avais. C'est pour ça. J'ai dit putain, j'ai gagné que 40 000. Non. C'était en centaines de milliers qu'on parle. Donc,
fait rapidement ça. Ça on est bon, on est bon. Arétium, ça progresse. Bon bah je crois que je comprends ce qu'ils veulent faire. Hein. Ici, oui, vos armes ici, je vais préparer à attaquer. Victoire! Pas besoin de plus. Hein. Victoire! On va juste roi faire devant. Ça. Construisez une tour! Seigneur, roi devant! Troisième armée, ce sera peut-être pas. Oui, si. Amir, oui, si. De mal. Ici, j'ai envoyé l'armée que j'ai. Le débarquement va partir là-bas. Seigneur. En marche. Paré à attaquer. Communauté assiégée. Voilà. Ici, cette ville-là va tomber assez rapidement. Allons-y. Je crois qu'il faut encore en 3 ou 4 tours pour arriver à la ville là-haut. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des Astati, des bordels comme ça. Ça serait bien que j'ai un petit peu de cavalerie quand même. Junon, ok, Junon devient Eucalade, ok. Très bien. C'est bon. Ah, t'en avais pensé, il y a un truc que j'ai pas trop regardé. Ici, j'ai construit une tour là. Ah, j'ai bien vu des rebelles par ici. Encore et toujours des rebelles. Sincèrement, je vais faire une autre division de 4 cavaliers juste pour péter tous les rebelles qui traînent, c'est pas possible. J'ai presque envie qu'ils attaquent. Oui, grand stratège. Allons-y. Je pense que je peux gagner la bataille en défensif. Maintenant que ça c'est fait, ici je peux peut-être avancer avec cette armée. Oui, grand stratège. Seigneur. Oui, grand stratège. Allons-y. Construisez une tour. Ici, qu'est-ce qui manque ici? Il manque quoi? Un général? Il manque quoi? Des piquiers? Il manque 3 archers? Hop. Comme ça, l'ordre république sera bonne. Hop, vendu. Avicinium. C'est vos ordres? Aquicom. Aquidium. Aquidum. Seigneur. Seigneur. Putain, moi, il va vraiment avoir du mal, moi, avec les... Non. Romain. Ici, ça va le faire. Toi, ici, t'as une armée complète, normalement. C'est ça. Je commence vraiment à avoir beaucoup d'armées. Sur un espace très restreint. J'ai aucun intérêt à attaquer en fait. Enfin, si on est juste 5 secondes intelligent, on attend juste qu'il s'écrase. Surtout que c'est une de mes armées les plus fortes. Alors, avoir 2 cavaliers de plus que 2 onagres, ça serait pas trop mal. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Oui, grand stratège. Oui, grand stratège. Ici, tu peux m'envoyer 2 cavaliers. Oui, je fais du commerce de troupes. Qui ne le ferait pas à ma place? Bon, ici, je vais juste attendre qu'on change
de runes. Alors, j'ai juste voir un petit. Il y a un petit truc qui m'intéresse, moi. C'est au niveau du bilan financier. Bon, il brute, ça s'est effondré. Il est Julie. Il est Julie, je commence à taper sur réserve financière. Ça, c'est bien. Bon, bah, il brute. Ça se voit que les broutis, je suis en train de taper dans leur zone mog. Hein. Alors que les Julie, on voit que je suis en train de taper les grosses villes. Hein, parce que ça diminue plus lentement, mais. L'Espagne va tomber, je pense, assez vite. On n'est pas trop mal d'un point de vue global. Ici, ça me fait l'armée qui prend cette ville-là. Il ne manquera plus qu'une armée pour prendre la dernière, c'est-à-dire celle-ci. Batavorum. Batadorum. Mongodiagum. Et tous les, là, je pense que tous ceux qui parlent latin qui sont en train de s'arracher les cheveux. C'est bon, j'ai pas d'autres belles, je crois qu'on a fait le tour. Bon bah. Tour suivant. Ah. Oh. Vous avez pu perdre contre des rebelles. Vous avez perdu contre des rebelles. Improbable. Qu'est-ce qui fait perdre l'ordre public? Putain! J'ai pas changé le temple. Je suis une conne. Voilà. Toutes les villes où j'ai oublié de changer le temple. Ah le crétin. Ah j'ai été con. Mais en fait j'ai oublié dans toutes les villes, c'est pas possible autrement. Même ici j'ai oublié de dégager Jupiter pour mettre. Pour remettre lui. Oui, vous remarquez que j'empêche les Julie d'aller en Bretagne. Puis-je vous être utile? Vous ne rêvez pas. J'attends vos ordres. Donc ça se passe très bien. L'Italie. Faut que je pète ses armées là. Une fois que ses armées là sont tombées, après c'est une porte ouverte après sur Ségestre. Ici, j'ai plus qu'un siège en 1 contre 1, donc le siège se passera très bien. Limite faire assortie. Armée brutie qui remonte au nord. On a vraiment que je retraille le mode pour que les unités après la réforme de Magnus qui est vraiment que les unités de nouveau roster, pas de l'ancien. Que normalement il devrait pouvoir faire de la statie de Principe, de Triari et de garde civile. Puissions-nous parler de manière raisonnable? Dépend, tu me dis. Très bien. c'est qui en fume l'autre? C'est moi. Bon, tant pis, je perds ma petite flotte ici là de transport. Ouf. Quand ça va faire beaucoup d'armées là, sur Arrétium. Je pense que les murailles, j'y tiendrai pas. Communauté officielle, assiégé. Bah, la ville là. La ville là. Ici. Ici. Voilà. Oui, mon capitaine. Alors, on va former la petite flottille. Oui, grand stratège. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle. Vos ordres. Communauté assiégée, sire. L'armée ennemie qui aurait pu me poser un souci, elle s'est barrée. Construisez une tour, seigneur, en marche.
Vos ordres ? Allons-y ! On va se peindre sur Ormesbar. Alors, rapport de construction. Tapsus. Construire mon temple. Ici, il y a eu quelques heures avec les civils. Ici, il n'y a plus rien. Ici, ça continue. Ici, ça continue. Ici, ben, très grand temple. Si je sais d'avance qu'il y aura un grand temple à faire, je vais juste faire la muraille avant. Ici, j'ai le temple là. Ariminium, on est bon. Odéon, ici, c'est bon. Arétium, il y aura ça à faire. Ça, c'est bien agréable, tout le monde fait la guerre à tout le monde. La ville là-haut va tomber. Oui, grand stratège. Seigneur. Seigneur. Gloire et honneur. Non, pour le peu de population qu'il y a, j'ai quand même pas embêté. Ici, je vais dire pas mal de choses. Oui, grand stratège. On construit une autre ici. Et j'en construis une troisième ici, une dernière là, et c'est bon, je vois tout. Des navires qui spawnent, des navires rebelles qui spawnent là et qui viennent piller ici. Alors, là on est tout bon. Normalement, ça devrait être résolu ce problème ici. Ici. Ah, Massilia, l'avantage de Massilia, c'est que vous pouvez facilement vous défendre au niveau des routes. Enfin, au niveau des ponts, là. Vous mettez une armée ici, une armée là. Vous pouvez tenir ici éternellement, même une troisième ou une armée ici. Et vous pouvez facilement tenir longtemps. Alors, toi, ici, tu vas avancer sur cette ville. Voilà. Oui, grand stratège. Et on sera pas trop mal pour ce petit tour. Après, je pourrais peut-être bouger cette armée là. Dans le prochain tour, je la bouge. Est-ce qu'il y a des rebelles? Ouais, l'armée rebelle là-haut. On va aller chercher, mais je crois que c'est les seuls rebelles qu'il y a hein, dans mon empire. Ceux ici, ceux là-haut. Ça a l'air d'être pacifié, donc ça c'est une bonne chose. Prochain tour, ça passe en métropole, parfait. Vos ordres, paré à attaquer, à l'attaque, victoire! Quelle grande victoire! Merci. Seigneur! Voilà. Dévastation. Venant un petit peu, mais ça va s'arranger.
J'ai limite envie de bouger cette arnée là, mais je peux pas trop. Oh la vache. Je vais prendre tarif sur cette ville. Après, s'ils vont sur Ariminum avec la deuxième armée, ça peut être bien. Cette flottille là. Embarquer cette armée là, débarquer là. Carthago Nova. Ça fait récupérer une autre province. Après il restera une ville ici, une ville là, une ville là. J'ai un doute qu'il y a une ville ici, je sais plus. Ah, attendez, il y a un truc qui m'interpelle là. Les brutis ont pris la ville que je pensais qu'ils n'allaient pas prendre au nord. C'est intéressant. C'est pas courant qu'ils la prennent, la ville dans les forêts où j'envoie une petite armée là. Empoignez vos lances et vos boucliers. Attendez maintenant. Aïe. Rune 2, cohorte prétorienne. Il y en a 4. Cohorte républicaine, auxiliaire, légionnaire, république, gladiateur Samani. Etc, etc, etc. Bon. Unité. Unité en vitesse. Unité au trot. Un moment, on va être franc. On va se faire juste démolir. Si on doit se faire démolir. J'ai même pas envie de défendre des murailles en fait. Ils vont pas combattre. Mes archers vont juste se faire déglinguer. Hein. Après voilà, tout. Nous sommes attaqués. Après par contre, le problème, c'est que ces tours font ultra mal. Cette tour morte plutôt. J'ai du mal aujourd'hui.
déjà te replier. L'ennemi a fait avancer ses terribles tours de siège. Un dur combat se prépare. Oh mon dieu. Auxiliaire léger. Juste pour foutre un peu le bordel. Et ils vont juste monter un petit peu pour foutre encore plus ce bordel là-haut. Bon, vous deux, vous allez vous replier là-bas. Moi je me replie simplement pour éviter de perdre mes archers. De toute façon ils combattraient pas bien longtemps sur les murailles. Donc, c'est juste pour perdre des troupes à un moment. Sans moi. Je pourrais bien harceler l'armée ou pas. Et mourons en brave s'il le faut. Ouais, ça par contre les auxiliaires légers, c'est toujours une. De toute façon toute troupe que je récupère avant on va dire les batailles rangées, c'est une victoire en tant que telle. Ah c'est qu'une cavalerie romaine leur général. Ah bah attendez. On va aller chercher son chercheur général, il va dire c'est qu'une cavalerie légère. Ah, je vais pas me faire tout bien longtemps. Là. Mais la cavalerie lourde, lui la cavalerie. Enfin. Quasiment ultra lourde ma cavalerie, lui a la cavalerie on va dire pas légère mais moyenne. Au niveau résistance, donc Ils sont un peu trop près des tours là, les troupes qui chargeront sur le côté gauche, ils se feront avoir par les tours. Bien que ça me démange d'y aller. Cavalerie, à l'attaque, dépêchez-vous. À l'attaque.
si je suis tueur général, après ça c'est une victoire. Hein. Tueur général. Loué soient les dieux, ouais. Le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ses soldats. C'est une belle victoire ça. Que ça a baissé leur morale. À chaque fois que vous tuez un général. Deuxième auxiliaire, ça c'est bien, je suis en train de péter tous leurs auxiliaires légers, donc toutes leurs unités de tir à distance. Allez hop, vous allez partir, eux ils vont descendre par cette tour là. C'est quoi, c'est une cohorte prétorienne? Je crois que qu'une partie de mes légionnaires, on sait déjà ce qu'ils vont faire. Hein. Idéalement s'ils descendent... Ah putain, il y a une partie qui a passé à gauche. À gauche pour amener la cavalerie aussi sur le flanc gauche pour m'en occuper. Et je peux la mettre sur le flanc. Ouais, on va faire comme ça. Je vais ramener ma cavalerie. Donc, de toute façon, ils vont se faire pulvériser par mes tours. Et ma cavalerie remontera par le chemin latéral pour aller directement dans la ville. Finalement, il n'y a plus qu'une seule unité qui y va. Non, deux. Une ou deux. Alors, s'il y en a deux, je suis obligé d'envoyer, ça. C'est bon, l'autre, il n'y a plus qu'une unité qui est. Ah, ma cavalerie est prête sur mon flanc. Vous n'avez pas réussi à péter ce bélier. Ah punaise, ils n'ont pas eu ce bélier. Bon, par contre, ils vont perdre beaucoup d'hommes. Ils vont traverser. La garde duc bloque un peu les lignes de tir, tant pis. Hein. Une porte en fer, hein. Pas y faire grand chose. Hein. Ah, par contre, ah, si j'ai une idée, j'ai comment envoyer une unité de.
Non, non, restez où vous êtes. Il y a déjà des troupes qui commencent à partir en retraite. Nickel. Donc il se peut qu'il y a... On va totalement rater. Nickel. C'est qu'une cohorte légionnaire de la République. Je crois que c'est une prétorienne qu'ils avaient envoyé sur ce plan-là. Et bah nickel, mes légionnaires ont... Non. Vous ici, vous allez très vite courir. Récupérer tout le portique principal. Si vous vous repliez, je sais pas pourquoi. Ce sera eux qui vont maintenant. Non mais... Mettre ça devant... Devant des balistes, tu te fous en mur de bouclier. Mais une baliste, ça fait... C'est la taille de plusieurs hommes. Hein. Enfin, pour moi, ça me ferme. Allez, on les brûle. Voilà, ils sont plus de 36. Ils étaient 80 au début. Hein. Finalement, on n'a pas besoin de mettre. Finalement, j'ai même pas besoin de ma cavalerie la plus lourde. Là, c'est une boucherie. Enfin, je pensais que ça allait être plus dur que ça, sincèrement.
quand j'ai vu les corps prétoriennes, tout le truc, le dispositif initial. Je pensais sincèrement que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Allez, l'archi. Là, je suis en train de récupérer les dernières. Donné, on va chasser tout ce qu'on peut chasser. Attends, en fait, j'envoie mes légionnaires, je suis sûr. L'ennemi montre son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Voilà. Quelle brillante victoire! Votre succès est total. L'ennemi a été littéralement écrasé. Propre. Très très propre la bataille. Victoire! Ouais, donc au final maintenant on sait à peu près comment ça se passe. Hein. On voit où ils viennent dans ce genre de ville, on voit où par quel endroit ils passent. Ils passent entre le palais principal. Et l'arc de triomphe, il passe vraiment dans ce petit angle là. Donc, et là, j'ai découvert qu'ils avaient cette ville là. Ça, par contre, c'est pas courant. Donc, c'est à dire qu'ils ont enlevé. Je sais que dans le jeu d'origine, Lian n'allait jamais là-haut. Elle n'était jamais arrivée. Or, à moins que ce soit un coup de pas de bol. Ouais, guerre, ouais, ils nous déclarent la guerre. Oh, réputation, j'ai une bonne réputation. Comparaison d'efforts. Ouais, voilà. Je crois qu'on a tout. C'est la guerre! Alors, on va reformer ça. On va reformer les unités qui sont plus sévèrement touchées déjà. Celle-ci. Si tu peux me faire juste ce bâtiment-là rapidement, ça m'arrangerait. Là-haut, est-ce que ça s'arrange un petit peu, l'ordre public? Pas vraiment. Ça fait cric, ça. Ça me fait vraiment cric. Non mais à un moment... À un moment, est-ce que vous cherchez juste pas à mourir en fait les ennemis Oui, grand stratège. Allons-y.
pas assez de troupes. Ici. Comment ça se passe? Ça sera bon. Bostra, on est bon. Campus, machin. Toc. Par exemple, dans des villes là-bas aussi, moi, comme Campus Sasaki, normalement, vous n'avez pas besoin de faire les bâtiments militaires. Après, j'ai tellement de pognon qu'à un moment... À un moment donné... 10 000 gigs. Hop, Certa. Ivacom, Vitcus, Coty, Ariminum. Dimigi, ça c'est des réparations, ça. Port de gauche, c'est des réparations. Ici, c'est des réparations, 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 réparations. Très bien. Alors. Alors. L'avantage, c'est qu'on a vu comment bien défendre. Après, ils vont encore perdre une ligne, hein. Avec toutes les conneries qu'ils sont en train de faire, perdre Massilia. Massilia qui est un port assez intéressant, mais économiquement parlant, pour les Romains. Les Julie n'ont pas les villes les plus riches, vraiment les plus riches, ça reste quand même beaucoup effectivement la Grèce. La Grèce en tant que telle, et l'Asie mineure, ouais, la Grèce. Ce gros bloc là. Tac, tac, tac. Et on va même rajouter ça. Ce bloc-là, on a jusqu'à Thessalonie, c'est vraiment des grosses villes économiques. Hein. En sachant que les plus grosses, voilà, vous voyez, Athènes, Laconie, Rhodes, Halicarnasse, Sardes, même Byzance, vous voyez, on peut rajouter Byzance dans le bloc. Vous voyez, cette ville-là est un peu moins riche, mais c'est pas... Pas pour autant que... Pas pour autant qu'elle a mon nid que je l'apprécie pas. Ah. Quand vraiment me gaver ces attaques incessantes d'ennemis. Bonjour. Je viens vous chercher. Votre honneur. Juste prendre tranquillement mes up. Je vais tranquillement épée. Je vais tranquillement faire la guerre et tout se passera très bien. Comme d'hab. Ah. Ça c'était pas prévu qu'ils aient qu'ils mettent leurs troupes là-bas quand j'allais débarquer. De toute façon, là, vous avez à peu près vu ce qui se passe, hein, globalement, gars. Oui, grand stratège. Victoire ! Les armées ennemies. Très grand temple pour Dionysos. J'ai un serviteur de Dionysos, par curiosité. Architecte, Aristote, batteur, chien de chasse. Cuisinier, géographe, géomètre, herboriste, héros, idiom. Mon agitation, plus de angoisse, donc ça fait plus 1. Marchand de céréales, maître de cavalerie, monteur, musicien, médecin. Négociant. Nanana, prêtre et défaïstos, presse de queade. Renégat égyptien, trésorier, vie de Messie. Et j'ai pas. Ah, j'ai pas de prêtre défaïstos. De Dionysos. Et que a plus de chances de survie des unités, plus de chances d'avoir des enfants, plus en santé publique, donc c'est intéressant. Et Phaistos, bah, plus 1% de revenus miniers, plus 1% de gestion, moins 10% de coûts, et surtout d'avoir un level en armure. Ah bah on va laisser Dionysos, juste pour voir ce que ça donne.
bagarre armée est quand même pas très violente. Hein. Où est-ce que je peux refoutre en face d'eux? Je reforme ces trois troupes là. Toi ici, normalement c'est ton deuxième tour, exact. Donc déjà tu vas tout reconstruire. On va commencer tranquillement. Tout va bien se passer. J'enverrai ma cavalerie, je pense que je pourrais raser leur armée. Bah avec le surnom, ils me tueraient, mais... à mon avis, ma cavalerie elle ferait déjà bien mal avant, que je perde. Ah putain, je l'ai fait trop naviguer, Gacon. Juste tout ça pour juste construire une tour. Est-ce que c'est pas de la gourmandise? Est-ce que c'est pas de l'excès? Si, totalement. Je l'ai pas encore attrapé cette armée, non. On n'est pas trop mal. Mine de rien, le plan d'invasion, d'un point de vue global, se passe pas trop mal. Comme prévu, leur armée est en train de juste de faire un énorme blocus sur mon... Non, attendez, il n'y a pas un temple vulcain ici? Il y avait un temple vulcain. On va encore envoyer une armée, hein. De toute façon... maintenant il faut commencer à réfléchir pour stabiliser juste l'ordre public. Ça sert à rien d'avoir trop de trucs dans les villes. Pénalité culturelle. Après, il y a la technique, on rase les bâtiments et on les reconstruit. Technique qui marche très bien pour amener l'ordre public. Après, c'est pas trop mon genre. Tout, 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 tout. Monsieur. Allez. Les barbares, on les a pas affrontés du tout, ils se sont fait raser de chez Ratiboisé. Hein. Nouveau négociant obtenu. Oh tiens. Oh j'achète ah bah, tu des très vite aller me récupérer ce truc. J'achète marchandise, des marchandises. Mogonté à Kounia. Ah t'es d'ici toi en plus. Toi tiens, juste par curiosité, je t'enverrai. Allez 2000. Allez hop. Ça rapporte. J'attends vos ordres. Paré. Oui. J'arrive sur la terre ferme. Tout de suite. J'attends vos ordres. Alors, toi ici, 680. J'achète des marchandises. Ici, toi, tu peux aller. Potentiellement, ici, tu gagneras encore davantage ici. Potentiellement. Et comment vont les richesses de mes chers amis? Moi je vois les richesses diminuer des deux là, ça me rassure. Bon, Mediolanum, là il faudra que... Vous savez quoi, je vais bouger... Cette armée là va descendre ici. Voilà, ici j'ai beaucoup de dévastation, mais c'est pas grave. Globalement... Ces forteresses, le but de ces villes-là, c'est qu'elles fassent tampon. Donc, après, ils ont énormément de troupes. Après, chaque ville que je récupère, de toute façon, c'est des résistances ennemies en moins.
Enfin, un peu... La situation, on dirait, ça commence vraiment à déraper sur le... Puissions-nous mettre fin à ce cardinal oh, oui, remerciement. Comme ça, je te redéclare la guerre. Oui, j'ai accepté un traité de paix pour retrahir. Oui. De toute façon, vu que dans le jeu, la réputation est haute, c'est de l'ado. Ouais, hey, regardez, Julie m'attaque encore. Nous sommes encerclés. Ils sont à je ne sais combien de guerres contre moi. Deux sièges déjà. Patavium a résisté à deux sièges. Par contre, ils ont toujours pas repris leur capitale en Éthurie. Ouais, enfin cette ville d'Ado. C'est bizarre, elle m'a toujours pas déclaré la guerre, l'autre. Sirène, il y avait un truc. Tapsus. Ici. Oh, oh. Oh, toi. Tu vas t'enrichir un petit peu là, cher Zoko. Dimitri. Hop. Sagona. Toi aussi, tu vas t'enrichir un peu. Aki, comme on s'en fout. Tingi. Ouh. Tingi, priorité à ça. Palma, Sirta. T'avais beaucoup pensé à Circe, Sirta. Encore et toujours. Gonoba, Nova, elle tombe. Ouais, je vais prendre l'Hispanie. Hein. Urbaine. Oh la vache. Ils ont pas mal d'urbaines, de prétoriennes. Bon, ils ont pas mal de légionnaires aussi. Hein. Candor et Picor, tu aurais... Ils ont très peu de cavalerie. Ouais. Ils passeront la muraille. Je les attendrai dedans. J'épulvériserai. Point. Bah, victoire. À quel moment je continue à garder cette armée dans cette ville. En avant,
aucun intérêt à garder dans cette ville. Maintenant qu'on a un traité de paix, faut qu'on en profite pour bouger les troupes. Ils doivent bouger. D'autres armées, non, je crois que mes grosses armées de Grèce, je crois qu'elles sont déjà parties. Hein. D'ailleurs, ici, il y a des rebelles. Non, il n'y a plus de rebelles. Si, non, j'ai cru. Il y a des rebelles, il y a des rebelles. You, les rebelles. Pas de rebelles. Ici. Voilà, hop, ça c'est fait. Te retourner là-bas, te reformer là-haut et te repartir. Hop. La priorité à ce bâtiment-là. Comme ça qu'on garde nos richesses. Hein. Comme ça qu'on les garde. Par contre, l'autre là-bas, il pense vraiment à me faire cric avec son armée. Hein. Mais vraiment. Après, si je fais un pas de plus. J'espère qu'avec ces deux petits pas de plus, je vais pouvoir quand même me replier dans ma ville. Des fils d'Hercule, comme d'hab, on a l'habitude. Juste truc de ça, par contre, ah, ça me donne envie de faire Shogun 2, punaise. Non, j'ai mis la mauvaise unité sur le flanc. J'ai envie de jouer à Shogun 2. À l'époque de scène de coup de Jedi. Ok, ma lourde d'un côté, ma légère de l'autre. Enfin, légère. C'est relatif. Ça reste comme de la cavalerie lourde. Hein. C'est juste qu'elle est un peu plus mobile et se fatigue un peu moins vite que mes cataphractaires. Cataphractaire. C'est la même chose, hein, cataphractaire, hein, c'est la même unité. Hein. Juste que le nom qui a été donné sous l'Empire byzantin au cataphract, c'est cataphractaire, parce qu'ils ont, créé un modèle un peu équivalent. C'est nickel. Hey Marc-Antoine, t'es où Marc-Antoine là? Marc-Antoine qui a conquis l'Hispanie. Enfin, qui a conquis une partie de l'Hispanie, surtout qui a mis fin aux révoltes en Hispanie. Si j'ai bonne souvenance de mes cours d'histoire. Par les triaries, tu m'étonnes qu'ils sont morts. Louez
soient les dieux. Le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ses soldats. Hop, voilà. Faut pas oublier que ça reste quand même. Les Astatirs ont quand même un moral très léger. Vélité en train de se faire démolir. Principe le deuxième rang. D'envoyer mon général là-bas et de le perdre. Voilà, mine de rien, une armée qui est quand même beaucoup plus légère. Ça se passe à peu près comme ça contre les Gaulois. C'est l'armée est beaucoup plus légère, donc les archers font beaucoup plus de dégâts. Après, quand ils commencent à avoir troupes en armure, ils tiennent un peu mieux, mais ça reste généralement quand même une. Un massacre aussi important par expérience. Ça on est bon. Cette unité là c'est moins grave si j'en perds. Il n'y a pas de risque de perdre mon général dedans. L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les, chassez-les du champ de bataille. Ah. Au final, il n'y a aucune unité qui a morflé, c'est cette cavalerie là parce qu'elle s'est fait choper par leurs auxiliaires. Quand même récupérer 26 cavaliers, c'est pas négligeable, et bonjour à ceux qui arrivent. Pour ma petite erreur sur une de mes deux cavaleries, ça va. Je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher que ça en homme. Alors, juste voir un truc. On est d'accord que ça fait c'est la même région, ça. Attends. Puis-je vous être utile? Hispanie, ok. Oui, c'est la même. Ok, donc j'ai mon info. Donc ici, c'est la même région, donc ça sert à rien que j'envoie deux armées là. Vous allez vous replier sur la ville, vous allez vous reformer déjà. J'ai pas de. Ah, je suis que level 4 dans cette ville. C'est pas une métropole, c'est une grande ville. Alors par contre, il y a 2-3 trucs importants quand même. Voilà. On peut reformer un peu tout le monde. Eux, je vous laisserai s'encastrer sur moi.
Ici, cette ville-là progresse, donc on s'en fiche. Celle-ci va se renforcer. Toi, Rigor, tu vas me construire une petite tour de guet ici. On va préparer l'invasion de l'ouest du Rhin. D'ailleurs, maintenant que ça, on a... on peut dézoomer. Ici, vous avez fait quoi? Un siège de mémoire? Elle fait un siège, il faut totalement rater leur siège. Bon, de toute façon, vu les troupes qu'ils avaient, je sais pas ce qu'ils espéraient. Hein. Ça va me construire ici une tour. L'armée là, elle se replie. Celle-ci est en position, pas mal de bouger. Celle-ci a bougé. Et voilà ce que je vais vous montrer. Normalement, c'est une immense armée rebelle avec plein d'Amazones. C'est Themyscira. Donc, c'est un petit Mister Egg dans le jeu pour ceux qui. Par contre, pour y aller, ça prend une plombe, comme vous avez pu voir. Hein. Ça prend facilement. Depuis ici, effectivement, ou ici, ça prend facilement 5-6 tours. Et après, pour ressortir, il faut repartir par la même route. Mais c'est une armée avec beaucoup d'Amazones dessus. C'est une armée qui a avec beaucoup d'unités d'archers de cavalerie ou autre. Et je trouve l'idée d'avoir mis cette ville-là très intéressante. C'est un petit Mister Egg, effectivement, par rapport aux légendes. Donc, voilà. Le petit secret que je voulais vous montrer. En Italie, c'est un de ces bordels, l'Italie. En sachant que je pourrais finir à campagne en prenant Rome. Hein. Mais j'ai juste envie d'exploser tout le monde. Juste envie de faire ça. Raser chaque ennemi un par un. Et qu'il en reste rien. Il me dort, tiens. Toi, tu me fais. Le bocus là, ici. Bon, ouais, au pire, il mettra. Il siège devant la ville, je l'attends. Ici, continue tranquillement à foutre ton bordel. T'inquiète pas, j'arrive. Et t'inquiète pas qu'il arrive aussi une deuxième chose, c'est que je suis en train de préparer une deuxième armée pour toi. Voilà. Et toi, par hasard, si tu pourrais me faire ça en deuxième, ça serait bien. Voilà, comme ça au moins. On va récupérer cette ville là, tac tac. Ce petit là va partir là-bas. Je suis tout sauf excessive. Disons que c'est juste ce que j'ai envie. Voilà l'attaque que j'attends depuis un petit moment là. Bon bah cette armée là. Soyons francs, l'armée de secours, c'est beaucoup d'auxiliaires. Ça me fera quelques pertes, mais c'est pas là-dessus qu'on va perdre des hommes. L'armée principale, c'est celle-ci. Ils ont... Combien de corps urbaines ? Ils en ont 2. 3 corps urbaines. 3 corps prétoriennes. Une base à répétition. 2 cavaleries légionnaires. 3, 4, 5 cavaleries... 4 cavaleries légionnaires, une cavalerie prétorienne. Elle va être simple. Je déconne. On va vraiment avoir du mal. Mais si je tiens à ville, ça fait 2 armées et demie en moins. Toujours voir sur ces stats là. Combien. Cette bataille est inévitable et la victoire est incertaine. Mais battez-vous comme de dignes fils d'Achille et la victoire sera vôtre. Putain, une sacrée garde du corps. Hein. Oh, une... armes, battons-nous pour voir des jours meilleurs. 75 hommes.
Alors, de ce côté-là, ils ont... Oh putain. Bordel. C'est un problème. Après... Ah, quoique... De l'autre côté, c'est quoi? Donc, l'armée principale est de l'autre côté, bon, d'accord. Ça, c'est l'armée secondaire qui est, qui est sur ce côté-là. C'est la légère. Donc, c'est la légère qu'il faut que je laisse monter sur les murailles. Celle-ci, je peux la pulvériser. Ça, c'est pas un problème. Comme en plus, c'est comme est fait la situation, je vais tuer beaucoup de mes archers, donc mes archers seront là-bas. Et en plus, maintenant qu'on a trouvé la petite astuce, alors, tout le monde ici, tac, tac. Depuis qu'on a trouvé la petite astuce pour défendre correctement. On va pas se mentir, on va pas. On va en abuser un petit peu. Alors. Alors, la défense principale, bah. Tout paradoxe, c'est que je vais foutre aucune troupe à gauche. Je vais juste les laisser venir. Je crois que ça tire tout seul, même s'il n'y a pas de troupes. Je ne sais plus. Qui est sûr, c'est que moi de mon côté, je vais pas m'amuser. Je vais m'amuser quand même à garder ça ici. Alors, un archer là, un là, un là, un là. Ce que je vais quand même faire, c'est que je vais quand même foutre une unité. Alors. Ça peut paraître bizarre, mais ça me permet de mettre... Je me suis fait avoir au dernier coup parce que j'avais mis aucun légionnaire pour reprendre les murailles derrière, mais ça me permettra comme ça, une fois qu'ils seront bien engagés là-dedans, de pouvoir directement aller derrière eux. De cette manière-là. Et au moins ici, j'aurai deux unités. Auxiliaire, c'est que des unités d'auxiliaire. Il y a une cohorte légionnaire, une cohorte urbaine. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ici, par contre, il y a toutes les raisons que ça se passe mal. Normalement, elles tirent toutes seules, les tours. Que j'ai des troupes ou non, elles vont tirer. Vous, par contre, vous allez sortir. Le petit palais impérial. Prévu, ils sont en train de rentrer dans la ville. Les tours ennemies ont atteint nos murs. Aux épées et mourons en brave s'il le faut. Même limite en train de me dire, j'ai le meilleur temps de les laisser venir en fait. Les
des tours de siège. Je crains pas grand chose en fait. Quand on y réfléchit un tout petit peu, en fait, on se rend compte qu'on craint pas grand chose. Donc, on a perdu quoi. Ils ont déjà perdu 200 hommes. Donc quelques cohortes prétoriennes, quelques cohortes urbaines. L'ennemi a atteint nos murs avec ses tours de siège. Tout ça c'est des troupes intéressantes qui meurent donc. À gauche, ils envoient un bon petit détachement. Avancer ces terribles tours de siège. Un dur combat se prépare. Quoi ? Bon, les 4 corps prétoriennes, eux, ils vont se faire désinguer. Voilà, ça fait toujours quelques... Tour des troupes en moins, ça. Plus ils perdent de temps devant mes... à monter sur leur tour, plus ils perdent de troupes. Son temps, plus il reste son temps devant, plus ils en perdent. Nickel. Ça fait déjà 400 hommes et demi de morts. Voilà. Bon, c'est quelques prétoriens là, on va pas se mentir, c'est sûr qu'ils meurent avant d'arriver à la tour. Ils étaient 161, ils étaient, hein. Ils sont plus que 112. Bon, allez, je vais perdre ma tour, hein. Mon corps de garde. Repliez-vous sur la défense intérieure. Ils sont en combien ? 108. Eux, ils sont en combien ? 128, 147, 162. Voilà, certains sont intacts, d'autres sont pas intacts. Pareil, ici j'aurais foutu des archers, je vous dis pas le carnage que j'aurais fait. Ah, les fameux murs où on se bat à mort. Quand on pulvérise Nice. Il faut juste espérer qu'il me pète tous les béliers.
Ouais, ils vont envoyer petit à petit hors troupe, donc je vais en tuer petit à petit, donc ça c'est... pas pu tuer sa prétorienne. J'ai chargé, j'ai pas pu la tuer, punaise. Ouais, Romaine au moins elle est morte. Bon, le dispositif que je voulais faire fonctionne pour le moment. Une tête cavalerie est morte. Nickel. C'est quoi les archives? Vous avez juste... Vous pouvez revenir là. Hein. Vous avez largement fait votre boulot. Si je peux laisser mes deux cohortes, ça tiendra bien. Nickel, bougez pas, vous êtes très bien là où vous êtes. Le fait d'avoir quand même des groupes de légionnaires sur les murs, ça me rassure beaucoup. Il y a pas mal de... Enfin, la cavalerie prétorienne, quand elle va charger, elle va faire tellement mal. Vous pouvez revenir. Vous avez quand même fait un bon boulot. Vous avez pété 3 unités, une fin de prétorienne, une fin de légionnaire et une corde de légionnaire. Corde de la République. Corde légionnaire de la République, je crois. Mais j'avoue que j'aurais dû... J'ai pas pensé à ça, mais foutre mes archers là. J'aurais été au courant de cet énorme mouvement de flanc qui me faisait, ça aurait été la meilleure des idées. Elle est méchante. Bon, j'ai plus de morale parce que à force, mais à niveau équivalent, je pense que la prétorienne est plus largement tuée que la mienne. Nickel. Ça fait un bélier de moins, plus que deux. Ici, il bouge pas, nickel. Pitié, non, c'est le signe d'argent. Pitié, non.
Allez, on prend la porte, on prend la porte. Voilà. Et là, d'un coup, ça change tout. Maintenant que les portes sont fermées... Non, pas les archers. Les archers, restez ici. Par à droite en fait. La corte urbaine là qui va partir en déroute, ça fera beaucoup de bien. Non, vous là maintenant vous allez vous replier. C'est totalement bizarre quand même comment se passe la bataille. Est-ce que c'est parce que j'ai... C'est en train de tout prendre par le flanc. Il part pas en déroute en fait, comme j'ai repris les portes, j'ai l'impression. Donc j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû reprendre la porte, j'aurais dû laisser une porte de sortie. Bon, on saura pour les fois d'après, ça ne pas tout... Et à cause de ça en fait, je suis en train de perdre beaucoup de troupes à cause de ça en fait. Parce que là où ils auraient dû tous partir en déroute, ils partent pas en déroute, donc ils sont en train de... qui reprennent les portes. Dès que les portes seront reprises, on sera bon. Ce qui me... Ils attaquent toujours pas de l'autre côté. Ok, bon, ça c'est un autre problème. Allez, allez, unité, unité,
Unité. Dikielo. Stop. Dikielo, c'est le cible. Là, s'ils peuvent vite récupérer le portail, ça serait bien là. Oh là là, comment perdre une bataille. En fait, je suis en train de la perdre juste à cause de ça. Ça me donne presque envie de la recommencer juste pour corriger ce petit problème là. On va quand même recommencer, je pense. Et même les gladiateurs... Ouais, elle est perdue juste à cause de ça. Pour le moment, elle n'est pas gagnée. Hein. Elle part même plutôt sur la défaite pour le moment, la bataille. Juste à cause de ça. C'est bon, ils ont repris le portail. Nickel. Vous allez voir au moment même où ils vont prendre le portail. Ah non, ils sortent. Ah, ils prennent même pas le portail. Bonne nouvelle, c'est que leur armée sera totalement démolie au moins. Cavalerie. Au trot. Piquier là. Oh, carnage. C'est là où il y a les ennemis. Non, ils n'en ont rien à faire de la porte. Ah, ils veulent envoyer des auxiliaires et essayer de récupérer la porte peut-être. Avec le bélier. Eh ben dis donc. C'est hors plan. Mais... Malgré toutes ces pertes, on tient encore à gagne. C'est déjà ça. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins j'en tue des prétoriens. Allez hop. Et toi, t'as juste en tiré un petit A. Oup, allez hop, deux d'un coup. Bon, bah au moins je me souviendrai de ce... de cette leçon.
problème c'est que chaque séance étant importante, je peux pas trop me permettre de... d'en refuser. Ouais, c'est en train de péter la porte ou... de récupérer la porte. Et à l'instant même où ils prennent la porte, ils partent en déroute. Hein, c'est... Il n'y a même pas eu deux secondes ou autre. Au moment même où on apprend, ils partent en déroute. Bon, au moins la bonne nouvelle. Et hop, on est au corps à corps maintenant. Ça va être assez facile à les tuer. Étrangement, qu'on a les bonnes troupes contre les bonnes. Ça se passe tout de suite mieux. Voilà. Oh le carnage. J'ai perdu 30% de mes troupes, ils ont perdu 1600. Presque 1600 hommes sur toute leur armée. Auxiliaire léger. Je comprends toujours pas pourquoi ils rentrent pas. Ils ont compris que la tour de siège là était un piège. Ah. Il y a tout le camp parce qu'il y a des. Auxiliaire léger, ça c'est des auxiliaires. Allez, allez, courez, courez. Allez, 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 allez. Voilà. Eh ben dis donc, non mais avancez cavalier, faut vraiment que vous avancez. Donc là ils vont récupérer le bélier là, qui va sûrement être détruit. Oh, j'espère qu'ils vont avoir du... Non mais... Youhou, j'aimerais bien que ma cavalerie aille. Bah comment
forcer une formation. Putain, mais putain, mais vous foutez de ma gueule là. Sérieusement ? Merci. C'est bon. Ça change quand même beaucoup de choses si partons des routes. Hein. Non, toi tu vas venir par là. Est-ce que c'est la dernière cohorte, je crois, ça. La dernière cohorte urbaine. Il reste une cohorte légionnaire derrière, ok. Oui, c'est un carnage. On a juste coupé Starbreuer et là tu fous tac tac. Allez, qui me charge. De tour pas bouger leurs troupes, hein, sur tout au nord. Hein. Faut absolument péter à corps turbaine une fois que c'est... une fois qu'à corps turbaine est pété, le reste suivra tranquillement. T'as beau avoir la meilleure unité du monde, si tu n'arrives pas à avancer contre un mur de pique. C'est pareil. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà, ils sont en train de charger ici, ça va provoquer une déroute. Ils avancent toujours pas. Allez, allez.
Corturlenla est morte. Vous allez maintenant rentrer ici. Voilà. Oups. Et j'ai peut-être repris le portail. Mais vu ce qui reste, je m'inquiète pas trop. Bah, d'ailleurs, rien que le fait que je sois déjà reposé et pas eux. Deux hommes, pas même trois. Avec la fatigue, ça joue beaucoup. Hein. Fatigue, meilleure troupe. Ça fait la diff. Hein. Voilà, déjà on a réussi à pulvériser 4100 hommes. Après il reste leur cavalerie prétorienne qui reste quand même leur plus grosse menace contre moi. Non, on va pas se voiler la face, ça va être le plus gros morceau ça. Après, si je peux de mémoire à baliste à répétition, on ne peut pas péter de mur ou de porte. Ça, je crois. Inefficace contre les murs et les bâtiments, c'est ça. Donc, ça ne fait aucun dégât. Donc, si je pète ces trois régiments-là, la bataille devrait être finie. Pourquoi vous dites que vous êtes encore en combat ? Vous n'êtes pas en combat en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ah putain! C'est bon, j'ai compris. Ouais, la cavalerie est totalement bugée. Il y a Temo de cadavre en fait qui avait bugué. En fait, c'est ça, je pense qu'il y a Temo de cadavre qui sont totalement perdus. Alors, tu m'étonnes qu'ils sont épuisés, ils ont traversé la ville. Non, c'est faux, la bataille ne dure pas depuis bientôt 40 minutes. Soldats.
Ah putain, à tous les coups, on traversait toute la map. Quoique, est-ce qu'on ne laisserait pas rentrer une dernière fois pour la finir pour de bon cette bataille? Parce qu'au final, qu'est-ce qui reste en face? Concrètement, il reste pas grand-chose. Il reste quoi? Il reste deux auxiliaires. Les auxiliaires, on peut les pulvériser. Si on se prépare bien à la recharge de la cavalerie prétorienne, il ne devrait pas avoir de raison que ça se passe mal. Après, c'est prendre un risque, quoi. Est-ce que j'ai besoin de prendre ce risque? Je suis pas sûr. Mort de fatigue. Finalement, ouais, j'aurais dû garder deux légionnaires de l'autre côté. Bon, tant pis. Après, s'il reste une cavalerie prétorienne et il reste leur bordel là. Bordel, c'est à répétition, je vais dire, c'est un moindre mal vu les dégâts que je viens d'accomplir. Ils ont perdu une armée complète, la deuxième est presque morte. On a appris que si on prenait tout, si on pouvait en... Bah, qu'est-ce qu'il reste en homme? Ça. Moi, au niveau de mes pertes, j'ai rien soigné du tout. Par contre, ouais, c'est vrai que j'aurais mis les archers un peu... Je pense que j'aurais mis les archers à un autre endroit, ça serait mieux passé. Je pense que je peux encaisser. Pas de raison que j'arrive pas à encaisser cette bataille. Il y a plusieurs choses qui me font dire que je devrais pouvoir encaisser déjà de 1, mais les troupes, même si elles sont un peu affaiblies, je suis quand même toujours en surnombre par rapport à mon adversaire. J'ai des onagres, donc je vais pouvoir quand même l'encourager à m'attaquer de son côté. Alors la seule chose où... Ouais, la seule chose où j'ai pas avantage, c'est la cavalerie prétorienne. Où là, par contre, c'est un gros problème. Que là, j'ai absolument pas l'avantage au niveau de la cavalerie. Et ça, c'est un gros problème. Moi de mon côté, si je peux plutôt tirer sur... je préfère buter des cavaliers que buter d'autres choses. Leur grosse menace, c'est leur cavalerie. Donc à partir du moment que je tue leur cavalier,
Unité. Unité en vitesse. Unité en avance. Allez, allez. À l'attaque. Vite. Allez, à l'attaque. Vite. Dépêchez-vous. Peter cavalerie J'ai Peter cavalerie prétorienne. Mais ouais avec Là par contre son général il va prendre tarif. Abject, il s'enfuit comme un lâche. Aïe hop, boum. Aïe boum. Voilà. Marteau en clume. On brise les rangs ennemis. Et l'autre corps survène. Allez, boum. Allez, boum. Celle-ci aussi. Allez boum. Corps turban à gauche, morte aussi. Il reste plus qu'une. Voilà. J'ai quand même pris beaucoup de dégâts, mais ça s'est mieux passé que prévu quand même. Boum. Donc ouais, j'ai quand même. L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les, chassez-les du champ de bataille. Cette armée là va se venir en renfort de la ville. Alors elle a quand même fait son boulot parce qu'au final elle a quand même attiré une partie de leur légion sur elle. Beaucoup de soignés, ça par contre c'est bon, excepté là-dedans. Mais au niveau de piquer, c'est aussi du beaucoup de soignés, ça c'est bien. Victoire. Bon, il y a encore beaucoup d'armées, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, on est en train d'enchaîner 2-3 petites. On a enchaîné 2-3 petites victoires là. Dont je pense l'une des plus belles qu'on a fait dans cette campagne. La bataille de siège. Alors, vous aurez appris un truc en même temps que moi. Garder une porte de sortie, c'est pratique pour pourchasser derrière avec la cavalerie. Ça évite de devoir tous les tuer sur place. Étrangement, j'ai fait le temple. Ça a tout changé dans l'ordre public. Pagma, Segestia. Ah, voilà, Segestia. J'ai cru que tu étais passé au rang supérieur maintenant. Ah oui, t'es passé au rang grande ville. Ariminium, pas trop mal. Ici t'es pas trop mal. Tac. Ici t'es toujours pas trop mal.
Vassilia. Tac, tac, tac. Vassilia, mais ça... Alors, croissance d'une ville. Campus Sarma. Voilà, cette ville. Ah, au lieu de vous réveiller contre moi. Pensez plutôt au vrai problème qui est en train d'arriver. L'armée romaine qui nous marche dessus. C'est quand même un problème un tout petit peu plus grave quand même qu'une petite rébellion. Enfin, à un moment, t'es beau pas m'apprécier. Là, par contre, on a enchaîné, on va enchaîner les batailles, mais à l'arrache. Je vous dis pas le bordel. Alors, toi c'est bon. Ensuite, toi tu vas faire 4 légionnaires. 1, 2, 3, 4. Et tu me feras... Ah bah, tiens. Merci. Ah. Merci. Seigneur. Ah, il faut remercier nos ennemis. Ils m'ont déclaré la guerre. Donc, au moins, me pose moins la question de ce qui va rester derrière. Seigneur. Deux cohortes urbaines. Bon, cette armée elle est pas très forte quand même. Y a pas une armée, y a pas une flotte. Si. Voilà. Après, si j'enfonce là, leur cavalerie est faible quand même. C'est affaibli, ils ont un scorpion. Ils ont, alors, en troupe forte, ils ont 4 cavaleries. Voilà, là où on aura le problème. Mais ils ont qu'une cohorte urbaine à fond. Le reste, c'est vraiment un reliquat d'armée sur deux autres armées. Donc ça devrait le faire. Et salut à ceux qui arrivent. Et normalement, si je pète cette armée, je vais pouvoir foncer sur Mediolanum. Ce soir, le festin sera grand. Bon, par contre, on est d'accord, c'est vraiment un fragment d'armée que j'ai. Au niveau de ma cavalerie, j'ai juste de quoi faire. Mais bon, ça va le faire. C'est pas un souci. Là où ils vont être forts, c'est au niveau de la cavalerie. Même si leur cavalerie est pas très lourde, on a réussi à péter leur cavalerie prétorienne de la partie d'avance, dans la bataille d'avant, sans trop perdre de cataphracte. Bon. Quand même une qui est presque morte. Unité. Unité. Mais globalement, on n'est pas trop mal. Moi, la priorité absolue, c'est le général. Unité. Unité en vitesse. Priorité absolue, si on tue le général. Derrière, leur armée suivra. Bon, en plus indirectement, je tue une partie de leur cavalerie légère. Unité. Hop.
Je m'adresse un peu à Corturben. Après des auxiliaires, ça c'est pas... Cohorte au milieu. Vous, faut que vous fassiez. Non, c'est bon, il se replie. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils m'ont montré hors dehors, Cohorte urbaine? Oh bah tant mieux, hein. Leur save de javelot m'a fait ultra mal, mais bon... Ils viennent en perdre 50% de leur... de leur régiment avant de m'attaquer. Moi, je le prends. À part qu'il vient d'exploser en fait son centre. C'est quoi, vous êtes resté derrière? Ah bah. Si, mais je viens de comprendre là, ce qu'il vient de faire. Là. Il a vous péter mon dispositif, il s'est planté. Alors, il y a un problème dans cette histoire-là, c'est que le gros de leurs troupes va réussir à s'enfuir. J'aurais bien aimé pouvoir rattraper la cohorte de la République. Autant voilà, ça fait quand même chier quand même que la cohorte de la République va s'en sortir. Bon, au moins ils ont perdu. C'est beaucoup trop pour rattraper, peut-être. Non. C'est une victoire héroïque, digne de la puissante armée. J'ai pas compris ce qu'a fait leur général. Ils ont tout balancé en un point. J'ai envoyé mes légionnaires assez rapidement, ce qui a permis de rabattre les flancs sur eux. Bon, en général, qui a survécu, ça par contre, c'est une triste nouvelle. Voilà. Alors, il y a des priorités pour reformer déjà ça. Vous. Voilà. Ensuite, on répare tout ça. On fait ça. Un Mediolanum. Votre honneur. Votre honneur. Hop, tu vas me chercher du bateau. C'est bon, armée rebelle détruite. D'autres rebelles qui traînent, je crois pas. On aurait bien fait notre boulot, ça c'est beau. Ce truc chiant, c'est le spawn des rebelles. Les brutis devraient mourir d'ici un ou deux tours. Oui, grand stratège. Deux tours. À l'attaque.
Un tour pour arriver, pour assiéger, le tour derrière pour les détruire. Deux tours. Deux tours pour mettre fin aux broutilles. Alors ça par contre, vous mettez le curseur dessus, vous voyez le nombre d'unités qu'ils ont. J'ai oublié le général. Ça c'est bien. Donc, il n'y a pas un assassin qui m'a tué un général. J'avais cru. Toc. Tapsus, c'est fini. Carnos, Timothy. Tac, tac. Palma. On construit encore un peu plus haut. Segestia. Certa, t'es bon. À faire ton truc. Carthago Nova. Tu vas me raser ce temple. Parce qu'il va poser un problème sur le long terme. Tu me consommes mon temple. Voilà. Merci. Ensuite, Medioanum, Medioanum. Ouais, c'est Medioanum. On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Du moins. Ici, on va réparer ça, on va faire pas 4 générales, 4 unités comme ça. Cavalerie macédonienne. Ensuite, on construira un général en plus pour qu'il reste dans la ville. Ici, l'excellente nouvelle, c'est qu'ils ont enfin levé le siège. Donc, je vais pouvoir réformer cette unité là, je vais pouvoir reformer les arts. Et ici, je peux réformer cette armée. Reformer. Pas réformer, reformer. Ensuite, toi, tu vas pouvoir mettre le siège devant cette ville. Et donc, une fois que tu auras pris, ça sera fini. Tu me prends Temeskira. Hop. La ville la plus chante à récupérer. Ici, je construis juste quelques troupes pour défendre. Pas trop mal. Sterma n'a pas été embêté, donc on va prendre ses guests. Ça on est bon. Cette flottille là elle va aller ici, celle-ci va naviguer un petit peu, celle-ci va se reformer. Hop. Voilà.
peu le temps de s'installer, ces rebelles. Ça va pas l'air trop mal. D'un point de vue global, c'est pas trop mal du tout. Cette armée qui s'est repliée sur l'autre, ça me fait pas forcément. Ça fait à la fois mes affaires et pas mes affaires. Au moins, Patavium qui a subi plusieurs sièges a survécu. Maintenant, c'est Mediolanum. Bon, Massilia est dans une situation pas précaire, mais pas des plus agréables. Cette flottille-là va être coulée. Hein. Prochain combat, cette flottille-là est coulée. Ici. Du ordinateur qui est en train de ramer. Ça sent le crash. Oui, grand stratège. Seigneur, paré à attaquer. Ça sent le crash à venir. Oui, grand Seigneur. Toc toc toc, on est bien. Arrigan pourrait bouger ici, d'ici. Si on bouge d'ici, on pourrait peut-être attaquer un petit peu les arrières. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan que j'ai vu ça. Sortir l'armée maintenant. Je pensais pas. J'ai oublié qu'on était à côté d'une ville, donc les deux armées allaient venir en aide. La victoire est proche. Si chacun fait son devoir, nous célébrerons sous peu notre victoire. Redoublez d'efforts et tout sera bientôt terminé. Si on fait bien nos cours, si on... Normalement, l'ennemi... Dans l'ancien jeu. Si cela allait changer quelque chose. Merde, j'ai eu peur pour rien en fait. Je pensais vraiment qu'ils allaient venir de là. Bah tu sais quoi, on va même pas perdre de temps. Les cavaleries vont vite rusher la guerre. J'ai un énorme avantage de cavalerie, faut que j'en profite fortement. Là où eux ils ont un énorme avantage, c'est au niveau de l'infanterie, c'est au niveau effectivement de l'infanterie. Hein. On va être franc, hein, c'est là où ils vont me faire mal, mais si j'arrive à encaisser, à faire comme la bataille. Faire une bataille où j'arrive après à contourner, à faire bouger ou autre, où j'arrive à rabattre après mes flancs au niveau de mon infanterie et de ma cavalerie sur eux, il n'y aura aucun souci de bataille. Hein. Et là, par contre, le point que tu fais, c'est des boulets sur le général. Si tu tues le général en un ou deux boulets, C'est une victoire, mais gargantuesque. Effectivement, les cortes urbaines, quand elles vont me charger, elles vont me faire une phalanger, elles vont bouffer. Hein.
Après, peut-être que si je fais défense plus petite. Général. Dépêchez-vous. Allez, allez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Compagnon d'Alexandre. Ah, je pensais que j'allais mieux m'en sortir que ça quand la cavalerie. Putain, j'ai perdu ce combat de cavalerie qui était le plus important. Là, qui était un des plus importants. Là, parce que là, ça me. Ah, je perds la bataille à cause de ça. Putain. Juste parce que j'ai fait de la merde avec ma cavalerie. Bon ben, avec F4. Une erreur. Et on perd la bataille. Alors qu'on aurait dû la gagner. Là, c'était bien. L'ennemi était sur moi. Il avait avancé. Il n'avait pas fait beaucoup de dégâts à mes phalanges. J'allais encaisser le choc. Mes légionnaires étaient bien partis. J'ai juste perdu ma cavalerie, j'ai perdu la partie. Enfin, j'ai perdu la bataille. Aussi simple que ça. Là, mes deux légionnaires sont fait chasser. La cavalerie va arriver derrière, elle va m'attaquer mes archers. Je perds mes archers. Et après, bah, après il me charge derrière mes phalanges tombent, partant des routes. Et là, total. J'ai joué comme de la merde. Bien fait pour moi. J'ai qu'à mieux jouer. J'ai qu'à pas faire de la merde. Point. L'ennemi a reçu des renforts. Putain, ils ont 24 de défense. Ah ouais, ils ont une meilleure défense que les miennes. Ah vache. Ah oui, je pensais vraiment être au-dessus par contre au niveau de ma cavalerie. Là. Je pensais pas que le niveau était si proche du niveau de cavalerie. Ah bah ouais. Là, par contre, l'ennemi... L'ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Non.
Non mais... Bref, ça par contre, le général, à chaque fois qu'il saute quand je fais une charge, à un moment... Improbable par contre, mon général qui saute. J'ai perdu 6 cavaliers avec le général dedans. Non mais sérieusement. Putain. J'avais 6. J'ai perdu que 6 cavaliers et il y a mon général qui saute dedans. Ça par contre, c'est le truc qui me compte dans le jeu. Bataille romaine, souvenez-vous la bataille qu'on a fait avant, avant de prendre Mediolanum, qu'on a fait nous-mêmes. Leur général, les seules unités qui sortent de son escouade de général, c'est son général. Alors que je l'avais encerclé tout le bordel. Celle-ci avait perdu cette cavalerie-là. Et ça, je crois qu'on s'est un peu tous rendu. Cavalerie-là qui est partie en déroute, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle parte en déroute. J'adore. Alors qu'elle était en train de gagner, alors que j'étais en train juste de la désengager. Et si je peux déjà préparer. Tu m'étonnes. Le général ennemi s'enfuit. Ce bon, n'est pas par contre, je pense même qu'on va gagner. Et en pleine bataille, c'est tout bonnement incroyable. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. On n'y peut rien.
Ah, toi tu vas charger là. T'as mouru, tu vas charger. Pour tuer. Les brises en force. Voilà, vous avez fait de la merde. Enfin, j'ai fait de la merde, hein, faut être franc avec moi. C'est pour se moquer, se recouler à la cavalerie. On note que j'ai quasiment pas perdu de cavalerie. Oh, eh, je charge des unités qui ont pas de pic, je perds plus d'unités que si je charge des auxiliaires. Enfin, à un moment. Le jeu qui se fout de moi. Putain, littéralement. Ils sont perdus pour perdu, mon général. Autant qu'ils tuent plus de trucs. L'ennemi montre son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Je ne cache pas que c'est une chose sale. Hein. L'ennemi a été écrasé. C'est une brillante victoire, digne d'un grand général. J'ai perdu 17 soldats de général, je perds mon général dedans. Et c'était 57. Reconstituer ça. Hein. Reconstituer mon général aussi. Oui, grand stratège, vos ordres. On va reconstituer les troupes qu'on peut déjà. En marche. Bon, au moins, dans ces sacrifices. On a libéré la ville. Donc on va pouvoir reformer les troupes. L'armée là n'est pas encore construite, elle est pas encore construite. Et donc un tour et on prend cette ville là et ils sont perdus, ils sont morts. D'ailleurs cette armée là on va peut-être déjà faire avancer déjà sur Trier. Et ici on va construire un général. Voilà, plus de rebelles. Hop. Ça en est bon. Globalement. Conquête de l'Hispanie se passe pas, enfin la conquête de l'Hispanie. Ça a plutôt été la conquête là de l'Italie hein, qu'on a fait là. Entre Arretium, Mediolanum, Segeste et pété plein d'armée. Bon, moi on a commencé à gauche transalpine, on a commencé à y aller. Osca, Carthago Nova. Bon, après l'Hispanie, quand même commence à prendre la Germanie surtout qu'on a. Ouais, c'est ça, l'Italie-Germanie qu'on a pris. Il reste plus qu'à prendre la Germanie inférieure. Après, il y aura la Germanie supérieure. Ça, de mémoire, ça. C'est un peu à gauche. Hein. Ouais, on va dire que j'aurais fini à Germanie.
Mort héroïque. Bah, tu m'étonnes que lui a donné sa vie à la cause. Hein. Tu es parti d'un des rares, généraux tués au combat. Par contre, ouais, j'ai quand même eu de la chance. Parce que mine de rien, j'ai perdu mon général. Ça aurait pu provoquer une déroute généralisée de toute mon armée. Ça s'est pas produit. Ça aurait pu être bien pire que ce qui nous est arrivé. Donc, d'un côté, c'est, voilà, ça aurait pu être pire au moins. Donc on va pas s'en plaindre de, que le dégât était si... La victoire est proche. Voilà, ici. Bon, un moment... Souvenez, on a déjà fait des batailles de siège dans ce genre de ville. Voilà. Piquier long. Piquier long, c'est le cid d'Argent. C'est le cid. On fout deux légionnaires ici. Et on fout deux là. Ma cavalerie. Non, mon général. Mon général, il a tué du monde hein, déjà. Oh la vache, cavalerie romaine. Cavalerie romaine, ça va aller. Cavalerie romaine, ils en ont deux, dont leur général, ça va faire. Et deux derniers régiments, peut-être c'est quoi, j'en foutrai ici de régiments, et on en foutra là. J'ai bien blindé là. Après, quand vous êtes gaulois, vous avez parmi les meilleurs, je crois que vous avez même le meilleur archer du jeu, les forestiers. L'attachement de forestiers. 170 de portée, ils ont de mémoire et l'attaque de flèche la plus élevée du jeu. Faut juste vérifier ça. Bon, en fait, l'avantage des villages barbares, ben, vu que d'être sur un oppidum au milieu, donc sur une hauteur, ben, vos archers, vous les mettez là. Quand l'ennemi est en train de rentrer, vous faites en sorte d'avoir de l'infanterie qui tient là, ben vous asmatez tout ça. On va essayer de péter quelques béliers. Après, la cavalerie. Si je fais passer deux sur le flanc gauche, je crois. Youhou, des boulettes longues. Dans le meilleur des mondes, ce qui se passe, c'est que ça provoque une déroute généralisée d'une partie de leurs troupes. Ils s'empêtrent là, ils envoient toutes leurs troupes au centre. Je contourne par les flancs. Il meurt. Voilà. Oui, ça c'est le plan, se passe à merveille. Principé, ça va faire auxiliaire à droite. À droite, ça va. C'est... À droite, ça va le faire. Parce que de mémoire, mes légionnaires. Oui, mais les légionnaires sont meilleurs que leur cohorte de la République. Donc à droite, ça va le faire. Ici, ils ont une urbaine, ils ont une prétorienne, ils ont une légionnaire. Et en réserve, ils ont une prétorienne, légionnaire. Ils ont deux prétoriennes, trois prétoriennes et une urbaine. Bon, ça pourrait être pire. Péter quand même un truc, c'est quand même bien. Unité. Ceux qui se posent la question. Prétorienne 27-13, urbaine 29-14. Et encore, ils ont la différence de. Voilà, 20. Ah, c'est leurs prétoriennes, elles sont pas à la même armure que leurs urbaines. Ça arrive.
nous avons perdu nos murs. L'ennemi s'en est emparé. L'ennemi a percé nos murs. Redoublons d'efforts pour défendre notre cité. Je pense qu'une ville comme ça est plus avantageuse pour moi qu'une qu'une ville avec des murailles de pierre de base. Ils vont avancer. Pourquoi t'as pas oublié la formation? C'est bon. L'ennemi a pratiqué une brèche dans nos murs. Unité, chargez. Unité, unité au bateau. Unité, chargez. Les dieux nous jouent des tours. L'ennemi a pratiqué une brèche dans nos murs. Voilà. Cavalerie, déchaînez l'enfer! À l'attaque, vite! À l'attaque, vite! Cavalerie, courez! Voilà. Du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. Unité, invité, unité. Général. Courez. Allez, allez, allez. Unité. On est pas beaucoup d'unité là. Chargez. Courez. Ah ben mec, tu me fais cette courte. Les légionnaires vont. Morfler encore un peu, mais. Loué soient les dieux, le cœur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient.
Voilà. Loué soient les dieux. Cette victoire est certainement leur œuvre. Bataille avec pas trop de pertes, nickel. Surtout que ceux-là qui ont. Qui avaient pas mal. Blessé, subi, ouais. Ce sont les unités qui seront difficilement remplaçables, c'est les légionnaires pour le moment. Parce qu'il faut que je passe une ville en métropole pour pouvoir en avoir. Quelle grande victoire ! Par contre, ouais, on a prouvé par A plus B que c'était pas trop dur dans une défense de Pidum. Vous avez des piquets, les piquets en caisse, derrière vous avez le reste. Ouais, bah venez. Venez, hein. Vous avez quoi? Vous avez une unité. Ah, vous avez deux vraies unités. Leur cavalerie légionnaire qui est leur général plus le reste. Ah, c'est bon, je vous attends. Hein. Chose qu'il va avoir, c'est que moi j'ai focus avec mes onagres, leurs onagres. Une fois que leur onagre est détruit, on sera tranquille. Pour défendre notre cité. Allez hop, deux nagues. Voilà. Turbaine là, c'est pas beaucoup, les quelques troupes qui sont, ils vont mourir simplement à cause des flèches. Ça c'est une réalité hein. Nous avons perdu nos murs, l'ennemi s'en est emparé. Bien tiré dans le pack, ça se passe bien. Unité, chargez.
Oh oh. Tiens, 130. Tiens, c'est en train de partir en retraite. Alors, j'ai demandé aux archers d'arrêter de tirer quand même. Allez, finito. Exact. Et tout rentré au centre. J'aurais battu mes deux flancs avec mes légionnaires et ma cavalerie. Fini. Déroute. On n'y pense pas, mais ça, là, ça commence à coûter. Ça commence à faire beaucoup d'armées quand même pour mon adversaire. Tel qui est en train de perdre Bostra. Oh, bien ça. Karali. Désordre. Ok. Et Dieu à nous. Ok. Deux cavaliers plus pour qu'il se calme. Oh non, mon héritier est mort de vieillesse. Bon bah tant pis, mon héritier est mort. Ah, ça on est bon, ici on est bon. Pas mal de bon, c'est ici on est bon. Batavium, on reconstruit. D'ailleurs les troupes ici, je pense qu'il y a des troupes encore à reformer, exact. Regardez, l'armée est revenue. L'armée est revenue. On va peut-être reformer ce qui manque ici. Voilà. Alors, Ivicum. Hop. Vicus Gotti, c'est bon. Aretium. Où on en est pour reformer les troupes. Ça avance. Ici, ça avance. Ici, il y a... Y'a rien, y'a rien. C'est guest, y'a ça. Tamiskria. Ça fera un peu de trucs en plus. Hein. C'est guest, c'est guest, c'est guest. Ok. Oui, grand stratège. Je pense pas trop me tromper si je dis que j'ai quand même bousillé une bonne partie de leurs troupes. Et de leurs armées. Ici. Oui, aux ordres. L'armée est prête. Oui, oui, grand stratège. Oui, aux ordres. Oui, grand stratège. Oui, mon capitaine. Hop. Seigneur, en avant. Je vais quand même te donner. Or. 4 cavaleries macédoniennes. Or. Pourquoi ? C'est que si jamais il y a des rebelles que je puisse facilement manœuvrer. Et hop, cette flottille-là elle est morte. Ensuite, Batavodorum. Occupé. Maison Bruti détruite. Les Bruti n'existent plus. Ça, c'est une magnifique victoire. Oui, grand stratège. Seigneur. Oui, grand stratège. Voilà, là maintenant, on va pouvoir se permettre de faire 2-3 petites choses. Oui, grand stratège. À l'attaque ! Victoire !
Le simple fait en fait de savoir qu'on a fini les broutilles, ça fait du bien. On va se terminer aussi et raser de la carte. En fait, c'est tout ça. Là, maintenant, on est en train de se dire, c'est fini. Nous avons pété la deuxième maison romaine. On a quand même réussi. Alors, faut quand même me dire, on a quand même rasé. Quasiment trois armées romaines en Hispanie. Il reste celle-ci, hein, mais les deux premières, elles ont été bousillées de chez bousillées, faut être franc. Hein. Ici, bah, on va avancer aussi. Hein. Voilà. Nous avons officiellement récupéré l'intégralité de la Germanie. En prenant la Germanie supérieure. Voilà. On a aussi. On a récupéré Tamiskira. J'ai toujours du mal à dire le nom de cette ville. Punaise. On l'a récupéré. On a réussi à tenir contre les broutilles, à les détruire. Alors, je vous rappelle que cette armée-là est partie quand même à la base. Elle est partie de là. Hein. Elle a pris ça, ça. Elle a pris une grande partie de là. Cette armée-là est détruite. Nous avons détruit. Encore. Les rebelles disparaissent petit à petit de notre territoire. Cette armée rebelle là vient de disparaître également. Qui viennent. Eh mais qui viennent de ma ville. Ça on s'en réservera pour reprendre. Eh ben voilà. Oui. On peut officiellement dire que j'ai. Puis-je vous être utile? Je vais voir ce que je peux faire. Que j'ai vaincu mes adversaires. J'achète des marchandises. Mine de rien, dans cette. Faut s'arrêter, je vais pas aller plus loin. Mine de rien, on a récupéré toute l'Italie du Nord. Bon, il y a encore quelques légions qui traînent, mais on va quand même récupérer intégralement. On a fini les broutilles, on a récupéré donc toutes les petites villes, bah, Temeskria, toute la Germanie a été récupérée. Donc il ne reste plus rien en Germanie. On a, en parallèle de ça, on a commencé à aller en Gaule en Hispanie, parce qu'on a déjà quand même trois pieds à terre quand même en Hispanie, une en Gaule. Gaule transalpine, je précise. Donc, après, effectivement, ici, parce que la Gaule, normalement, il y a deux côtés, il y a côté A, côté A. Donc, ça avance bien. Au niveau des rebelles, est-ce qu'il y a des rebelles par chez moi? Mine de rien, j'enchaîne les victoires quand même. Ça devrait pas réjouir mon peuple? Non. On va faire une deuxième petite flottille. On va faire une deuxième flottille de 5 quinquérèmes qui resteront dans cette mer intérieure là pour péter effectivement les rebelles. Ici, peut-être pour enfin reformer la cavalerie. Hein, mine de rien, cette cavalerie depuis le temps que j'ai l'ai, elle s'est quand même bien rentabilisée. Toi, tu vas me faire un petit truc. C'est tout bête, mais. D'avoir un petit peu plus de pop.
Ah tiens, ici aussi il y a des... Il y a une petite rébellion. En Égypte. Voilà. Rébellion égyptienne réprimée. J'allais dire réparée, mais c'est pas ça. Oh, il y a une petite rébellion ici aussi. Eh bien attendez, on va tout fermer. Ici aussi. Rébellion réprimée. Je crois vraiment que je vais faire une armée. Mais juste pour les rébellions, parce que ça commence vraiment à me gonfler. C'est de mon tempérament ici. Oui. Globalement, c'est quasiment, tout est quasiment réprimé. Et donc on va s'arrêter là, comme je vous ai dit, on arrive au 135e tour. On va juste faire un petit point au niveau du classement. Bah, les Brutis ont disparu, les Julies. Alors démographiquement, ils ont perdu beaucoup de trucs. Territorialement parlant, bah, il ne reste plus que la Gaule. Et un peu l'Hispanie. Financièrement, ils tiennent. Enfin, ils tiennent. Il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien du tout. Et après, nous, effectivement, on finira. Alors, je pense qu'il reste un ou deux épisodes en fonction de quand ça se passe le prochain coup. Peut-être trois, mais je pense plutôt deux. Je pense que dans le prochain épisode, on va pouvoir finir l'Hispanie. On devrait pouvoir, au niveau du nord, on va pouvoir avancer en Gaule. Donc, on devrait pouvoir finir la Gaule. Et on pourra peut-être même commencer à préparer l'invasion de la Britannie. Puis après, on finira la Bretagne. Et le Latium, on finira de dernière bataille quand même, ça sera prendre Rome. Et là, mine de rien, on aura fait une campagne complète et intégrale où on est parti d'Antioche. On a fait beaucoup de guerres pour conquérir la Méditerranée. Presque d'ailleurs, Méditerranée presque conquise parce que. Presque conquis parce que. Une fois que j'aurai récupéré là, j'aurai l'un des derniers ports. Une fois que j'aurai Narbomartius, donc Narbonne, et la Villa, bah, j'aurai l'intégralité en fait des ports du bassin méditerranéen. Ah, excepté Rome. C'est vrai que Rome, je l'ai pas. En tout cas, en Germanie, on est bien. Non, mais, mine de rien, au nord, on est quand même très très bien situé, on est quand même bien tranquille. Non, pas mal, pas mal. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Il y a eu des batailles intéressantes, il y a eu des batailles où on a été moins chanceux, Arétium par exemple. Mais globalement, on s'est plutôt très bien sorti dans l'ensemble. On sait effectivement qu'il ne reste plus grand chose à faire pour finir. Objectif Julie, objectif secondaire, finir aussi les Britons. Donc quand même pacifier effectivement la Bretagne. Bretagne qui a que 4 villes. Enfin, 3. Une à Gondinium, une ville Ebudraodom, une ville d'Eva, une ville Tara. Donc l'Irlande et la Bretagne. On pourrait même le faire en parallèle qu'on attaque aux Julies, hein. Je vais pas vous mentir que on pourrait limite faire les deux en même temps, que ça serait même pas aberrant. Et ici c'est bon, ça va à peu près. Ouais. Alors, toc. Toc, voilà. Je fais juste ça. Voilà. Et ben. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine pour la suite des événements. Allez, à ciao tout le monde!